Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. C'est champion, c'est Julien, oui, le oui, père oui, 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 oui. Il perce quoi, il perce quoi ouais. Il perce le ballon. Donc aujourd'hui on est avec Coco, en fait c'est le jour du vide-grenier. J'ai reçu une bonne nouvelle ou une très mauvaise, on aura fait 80 bornes pour rien. J'ai une personne qui est dans la possibilité de me vendre une console avec pas mal de jeux qui sont bien. Pour un bon prix. Il est 10h36 du matin, on était au McDo, au KLM, tranquille, tu vois, voilà. Il y a pas de deux consoles. Non, il n'y en avait qu'une seule, avec puis plein de choses dedans. Mais chut. Donc on va y aller. Donc, on y va. Et puis on va voir. J'ai pas d'essence, j'ai pas de thunes, mais on y va quand même en mode tranquille, les gars, tranquille. Donc les amis, on est parti. Ta gueule. Donc on est parti, je sais pas du tout comment ça va se passer. Réellement on pense nous tous les deux. Au pire on est fatigué, mais on va sortir, tu vois. Peut-être, réellement j'y crois pas. Il y aura allez, facilement 80% pour une grosse quenelle. Toi tu dis combien de pourcentage pour une grosse quenelle? 90. Oh, bah, cul, 90. Oh, bon on y va pas. On lâche le lot de merde hein. Si c'est vraiment un fail, je vais mettre mon clignotant. Si c'est vraiment un fail, eh ben, je mettrai quand même une vidéo. Parce que c'est pour vous montrer quand même que des fois on fait quelques bornes et on n'est pas sûr d'avoir le lot parce que ça peut être un enculé qui veut nous faire une connerie. Mais faut tenter. Sur ce même secteur, j'avais récupéré un lot énorme à 100 euros. J'avais récupéré, je crois que c'était 100 euros, une NES en boîte, une Super Nintendo en boîte. Il y avait énormément de jeux Super Nintendo, Super Metroid, Secret of Mana, le guide de Secret of Mana aussi par la même occasion. Donc je me dis que pourquoi pas. Faut toujours y aller. Si jamais c'est vrai. Mais si, en plus, voilà, si jamais c'est vrai, c'est toujours sympathique. C'est pas vrai, c'est pas grave, ça fait 80 bornes, on s'est fait enculer 80 bornes. C'est pas la fin du monde. Au moins on y va et on a une chance sur zéro que ça aboutisse. Mais au moins voilà, faut quand même y aller parce qu'on sait jamais comment ça peut se passer. Peut-être que ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise surprise. Et puis voilà, tranquille. Et c'est ça le rétro gaming, c'est qu'on peut se faire enculer comme on peut avoir une belle surprise. À vous de voir si aujourd'hui on aura... Ce matin on a eu des bonnes surprises dans les vide-greniers, ouais. Dans le vide-grenier, donc pourquoi pas que la chance continue pour ce samedi. Jour de chance ou jour de ma... Enfin jour de ma semi, chance, non mais voilà. Semi-chance on va dire. Donc à tout de suite. Pourquoi il met ses Warlin lui? Parce qu'il roule sur le bord du trottoir. Et pourquoi il roule sur le bord du trottoir? Parce qu'il lui manque une roue. Mais non, il lui manque pas une roue, toi. Ah non, mais je sais pas ce qu'il fait, il veut tester si les 4x4 ça marche bien. Le mec, il est en 4x4, on va le voir derrière, il est en 4x4. Il est what the fuck, mec. Moi, je viens d'Amérique, j'ai un what the fuck 4x4, moi. Je veux voir s'il fait du tout-terrain, tu vois. Ils soufflent, les gens, ils soufflent, ici. What the fuck, ils soufflent. On a eu un piéton qui était pas très... Tu vois, un passage piéton. On a eu un stop. On a eu un feu rouge. Et là, on a eu... Burning USA. A tout de suite, ciao. Bon les amis, on est arrivé, donc on va y aller. Bah déjà, c'est pas une fake hein, niveau adresse, donc on va voir. Bonjour. Bonjour. Entrez, suivez-moi. Oh, y a un toutou. Donc bah voilà les amis, c'était pas une fail, donc les 10% d'un côté et les 20% de l'autre, c'était bien au contraire. Et bah... On est pessimiste. On était pessimiste, mais voilà. Tiens. On a pas mais what the fuck quand même. Ah, super content là, franchement. Je pensais vraiment pas. Donc les amis, on va se dire à tout de suite pour le compte rendu par vide-grenier. Parce qu'on est, samedi 15, normalement il y a un vide-grenier. Enfin, on a fait les vide-greniers ce matin, mais là ce sera le compte rendu du petit lot, achat hebdo. Putain, je dois avoir 4 ou 5 vidéos achat hebdo à vous faire, mais bon, j'ai pas le temps. Donc on se donne rendez-vous tout de suite pour le compte rendu de cet achat hebdo. Puis on verra si j'ai le temps pour faire d'autres achats hebdo. A tout de suite, ciao. Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo des achats hebdo. Je pense qu'il y en aura 3 en tout, pour 3 très bons lots. Et aujourd'hui, on va faire la NES. Donc, comme j'avais dit,
Et comme je le redis, ces achats datent depuis très longtemps, ils ont toujours resté dans le carton, je les ai un petit peu essayés, enfin quelques-uns. Cet achat-là date du 15 août. Donc on va commencer les amis par... Je sais pas. Alors, une manette de N64. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dame, elle avait une N64. Petite manette non officielle, mais complètement what the fuck, de la N64. La petite Nintendo 64. Une petite... Oh tiens, j'avais pas vu ça. Alors déjà enrouler les fils, c'est mauvais. Allez, voilà. C'est pas si mignon. Donc, une petite manette. Je sens que c'est le bordel. Tiens, je vais mettre ça là. Il y a ici, voilà. Une deuxième manette. On avait le droit à un petit zapper que je vais garder pour... que je vais garder. En fait, j'aurais bien fait une lampe avec un jeu. Donc, on le pose comme ça, le jeu, avec la lampe. Et puis, ça fait une lampe, voilà, avec le pistolet. Il réagit assez bien quand même, hein. Franchement, je suis assez content. Avec ça, il y avait une petite alim. Ça fait toujours plaisir d'avoir des alimentations de Super Nintendo, de NES, de ceci, de cela. Parce qu'on en manque, hein, franchement. Et la petite... Ah putain, j'ai mal, j'ai fait trop de sport. Ah putain, tu vois cette veine? Non, je veux pas faire comme Thibaut Inchep, j'en ai pas de veine. C'est des vergetures. Allez, bonne soirée. Une petite NES, voilà. Toute petite NES, je crois pas qu'il y a de jeu dedans. Non, il n'y a pas de jeu dedans. Une petite NES. Les jeux, il y en avait quand même pas mal. J'en ai mis en boîte. Enfin, j'en ai mis en boîte plastique. Ah ouais, faut protéger quand même, par des de merde. Alors, aucun jeu n'a sa notice. J'ai mieux le préciser, dégage. Voilà, aucun jeu n'a sa notice, malheureusement. C'est comme ça, c'est voilà, c'est la vie. Ça fait chier, mais c'est comme ça, voilà. Ouais, non, franchement, ça fait chier. Donc, on avait un Mario Bros et Dunk Hunt en loose. Punch Out. Alors, franchement, les boîtes sont en très, très bon état. Franchement, ça fait plaisir que les personnes gardent des boîtes qui sont vraiment en très, très bon état. Donc, un Punch Out. On a un The Battle of Olympus. Un jeu que je ne connais, mais absolument pas du tout. Non, je connais pas du tout, franchement, voilà. Je ne connais pas. Je vais pas faire le mec qui connaît ou quoi que ce soit, parce que ça sent complètement débile, hein. Ouais, je connais, il est super. En fait, c'est peut-être une bouse. Bien sûr, on protège les plus chers, hein, bien sûr. Punch Out, on s'en bat les couilles, tu vois. Je vais me faire tuer par certains. Non, mais on protège les plus chers, c'est normal. C'est pour la retraite. Un dédicace à certains. Donc, The Olympus... Non, The Olympus. The Battle of Olympus, je ne connais pas du tout. Je sais pas si les gens peuvent me dire en commentaire ce que c'est. On avait... On va mettre les plus chers à la fin, hein, bien sûr. Un Cobra Tringle. Ah, mais là... Un Cobra Triangle. Un cobra, quoi j'avais dit, un cobra tringle. Alors un cobra tringle. Donc pareil, sans notice comme d'habitude. Hop, on avait. Alors, celui-là je vais le faire après parce qu'il faut que je vous montre ce que j'ai pu trouver. Enfin ce que j'avais eu déjà avant dans un lot qui date de plus d'un an. Un kick-off, kick-off. J'avais eu ce jeu, si je me trompe pas, en loose, et je l'avais appelé Kick FF. Finalement. Et c'était Ryoshi, non, ouais, bah ouais. Oui, mais c'était Ryoshi, pas The Gookie 25, enfin à l'époque c'était ça. Qui m'avait dit, ah bah, un FF. Ah non, c'est Kick FF. Ah, mais des fois je pars dans des lives. Un petit hook. En super méta, meilleur état que le mien, et encore c'est très très rare de trouver. Alors je l'ai en deux fois, et deux fois en super méta. Un petit Ghostbuster, tout, j'ai un peu de tout, tout est fini entre nous, tout, j'ai la phase des tours, tout, l'espoir est égaré. C'est pas ça, c'est pas ça. Un Ghostbuster, et puis il dit tout. Tchuss. Faire comme les coquines sur Facebook. Ce truc, il part en live.
Hop, un Ghostbuster. New Ghostbuster 2. Non, un Ghostbuster 2. Franchement, ça a l'air d'être un bon petit jeu. Ouais, ça a l'air d'être un bon petit jeu. Faut voir. Non, ça a l'air. Ouais, ça a l'air d'être un bon. Ta gueule. Ça a l'air d'être un bon petit jeu. Alors, attention, parce que là, on rentre vraiment dans du lourd. Off lourd, tu vois. On va commencer par un Super Mario Bros 3. Oula, boîte jaune, ça rigole plus. La poste. Putain. Faut que j'arrête de dire des conneries comme ça. Un petit Super Mario Bros 3. Hop. Un petit Dragon Lair. Et je remercie énormément mon ami... je l'ai pas encore mise. Mon ami Cyril 2.0, celui-là qui fait des lives vide grenier de merde là, parce qu'il m'a passé la fameuse notice de ce jeu, et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment vraiment plaisir, la petite notice pour le Dragon Lair, et en échange j'ai dû lui passer un colis de merde, vous verrez ça dans ses vidéos, je sais pas quand il mettra. On va continuer, parce que là il y a du lourd, c'est pas Polo, promis. Un fax à Nadu, un fax, t'as mis le fax, t'as pas mis le fax, tu bouffes pas. Un fax à Nadu. je le connais que de nom, je vais pas vous dire des conneries, je le connais que de nom. Donc pourquoi pas, on m'en a dit que du mal. ça me gratte, ça se voit que c'est plein de poussière ces jeux. Et là, il n'en reste que 4. Ça fait déjà beaucoup. Ça en fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien de se compter. 10 avec le Mario Taras que j'ai 25 000 fois. Donc 14 jeux en tout. Bah putain, c'est bien. Alors, on va continuer avec un jeu qui n'est pas en super bêta. Mais quand je vais vous montrer ce que j'ai eu déjà il y a un an de ça, vous allez dire, putain, bon, je crois que je l'ai même viré la boîte. Faudra que je regarde. Un tennis. Un super jeu de la mort qui tue. Malheureusement, voilà, bon, je sais qu'il cote beaucoup. Et bon, avec ça, bah, en fait, il va plus vraiment coter, là, malheureusement. Et je vais vous chercher de suite. Je crois que c'est le même. De toute façon, il n'y avait qu'un jeu de tennis sur la NES, si je me trompe pas. Et je vais vous chercher la boîte que j'avais, moi, avant. Alors, je viens de voir que c'est pas le même. J'avais... ce tennis-là, et en fait, j'ai la boîte de... Et j'ai une boîte... une très belle boîte, voilà. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait la blague du... L'ouverture, tu veux un jeu, maintenant c'est plus une ouverture comme ça en fait, c'est une ouverture comme ça. Voilà, bien, tu vois, bien dégueulasse. Et bah bizarrement je le garde toujours, parce que voilà, ça peut se revendre 150 euros sur internet, donc très très bon jeu, hein, que je conseille à tout le monde. Bref, un petit tennis, donc c'est pas le même, ce qui est bizarre. C'est bizarre, je sais pas pourquoi c'est pas le même, mais bref. Hop. Et donc là on a vraiment du lourd, du très très lourd, ce qui cote le plus en fait, c'est pour ça que je les garde. Alors le prix réellement, je vais pas vous mentir, je crois que c'est 60, c'est même pas je crois, c'est même sûr, 70 euros. Le lot NES est à 60 euros et le lot Nintendo 64, juste la console et la manette à 10 euros. Dragon Ball, voilà. Pour un très très bon jeu, Dragon Ball, en plus ça fait plaisir de l'avoir sur la NES en boîte, sans notice, comme je précise. Ce qui est un peu dommage, mais ça fait vraiment plaisir de l'avoir, le petit Dragon Ball. Hop. On va continuer avec un jeu que j'ai en double. Toujours sans notice, je crois. Je crois que je l'ai en double, mais sans notice, si je me trompe pas. Faudrait que j'aurais... Ou même en triple, je serais... Je le vois là, donc je dois l'avoir en double. Mais peut-être en triple, le petit Zelda 2, The Adventure of Link. Je parle très bien le NES. The Adventure of Link, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Bon, voilà, le souci, comme je dis, c'est qu'il est pas, il est pas avec la notice, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et le dernier, que j'avais pas non plus, c'est les Chevaliers du Zodiac, la Légende d'Or. Et ça fait vraiment plaisir aussi parce que je l'avais pas, donc je le rends direct. Bah en fait tout rentre dans ma collection, même si je les ai en double ou en triple. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Un petit lot, je vous dis, voilà, pour 70 boules avec la N64, avec 14 jeux NES, c'est complètement dingue. C'est un lot qu'on ne verra que très peu.
Voilà, moi dans ma jeune carrière de rétro gaming, hein, voilà, parce que maintenant on appelle ça une carrière, tu vois. J'ai pas connu énormément de lots comme ça. J'en ai eu, hein, j'en ai vraiment eu des putains de lots badass. Mais des lots comme ça, là, 70 balles, franchement, ça fait vraiment plaisir. En parlant de Nintendo, donc je verrai quand je vous mettrai la vidéo, mais encore ce lot a été magnifique, mais 70 euros. Et bah le prochain lot que je vais vous envoyer va être encore plus énorme. Énorme comme ma... Voilà, tu m'as compris. Énorme comme ma... Parce que ce lot-là, c'est de la Super Nintendo qui est en boîte Notice. Et je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Si vous regardez mes anciennes vidéos Polo 76, j'avais fait donc la petite vidéo avec les ellipses et la musique. Et il y a énormément de jeux qui sont bien. Et ça fait plaisir. Des fois, faut lâcher du billet. Voilà. Des fois, faut lâcher du billet pour avoir ce qu'on veut. Et pour avoir des jeux qu'on n'a pas en Super Nintendo, faut toujours aller au vide-grenier, faut toujours trouver. Même si là, c'est pas un lot vide-grenier, mais comme on voit avec Retro Oxidia qui a trouvé un putain de lot Saturn, même si je suis pas fan de la personne, ce qu'elle a trouvé, c'est complètement dingue. Ça fait vraiment plaisir que ça retombe sur des collectionneurs, collectionneuses, et pas sur des personnes qui vont trop vendre ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je sais que Retro Oxidia ne revend pas. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, toujours plaisir qu'une collectionneuse ou un collectionneur puisse avoir un lot de malade sous le nez de certains revendeurs. Même si, voilà, portez-vous bien, continuez les vide-greniers, même les vide-greniers à 15 exposants au fin fond de la campagne, en hiver avec moins 15 et puis avec de la neige et tout. Y aller à pied, en traîneau, en ski, s'en balle les couilles, tu vas au vide-grenier. Toi, Thibaut Inchep, c'est le temple, c'est la salle de sport. Quoique, moi, ça commence à être le temple, parce que j'y vais pas mal de fois. Et bah, nous, c'est les vide-greniers, le temple. C'est ça, en fait, tu vois. Nous, le temple, c'est ta mère, toi. Nous, le temple, c'est la vie de grenier. C'est la vie de grenier. C'est le vide-grenier, nous, le temple. Sans vide-grenier, on est mal. Sans jeu rétro-gaming, on est mal, on n'est pas bien. On pleure nos larmes à l'intérieur de notre corps. Cette vidéo se part en couille, ma gueule. Elle se barre en couille, ma gueule. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Puis à la prochaine, voilà. Tranquillement, à base de tranquille, comme d'hab. Tranquille, à l'arrache. Enfin, quoique, les vidéos sont soufflées à l'arrache. Allez, les amis. Pourquoi j'ai claqué les doigts? Je suis mimimati. Allez, les amis.